Chères lycéennes, chers lycéens, bonjour et bienvenue parmi nous au cours en ligne. Aujourd'hui, nous allons aborder et traiter ensemble un sujet d'examen du projet 1 pour les classes de terminale lettres et philosophie. Nous allons voir comment on va traiter un sujet ensemble d'examen. Pour cela, nous allons d'abord voir les caractéristiques d'un texte d'histoire. Alors, un texte d'histoire, d'abord, c'est un discours narratif. Pour cela, on peut trouver dans le texte d'histoire des événements, des dates, des indices temporels, des noms propres, des personnages connus, des noms de personnages connus aussi, des lieux, des témoignages. Également, l'auteur, justement, pourrait être dans un texte d'histoire un historien, il peut être un témoin, un écrivain, un journaliste et même un chercheur. Donc, lorsque l'auteur est témoin, il rapporte les faits vécus, il exprime ses ressentis, il exprime son point de vue, il est souvent subjectif. Mais si l'auteur est écrivain, il écrit donc un roman, il peut être autobiographique, il peut être un texte d'histoire, historique. Alors si dans le cas, l'auteur est un historien, un chercheur, là, il va analyser un fait d'histoire, il commente les causes et les conséquences, il peut être objectif et même, souvent même, subjectif. Lorsque l'auteur est journaliste, il va commémorer, il commémore, il informe, il peut aussi rendre hommage, commémorer lorsque on va justement faire rappeler, célébrer une date importante de notre histoire ou de l'histoire. Par exemple, ça pourrait être le 8 mars, ça peut être le 8 mars, c'est une fête internationale, c'est la journée de la femme. Ça pourrait être le 1er mai, c'est la journée des travailleurs. Ça peut être le 8 mai 45, quand c'est aussi un fait d'histoire. Donc, nous pouvons aussi avoir la visée communicative, c'est-à-dire quelle est l'intention de l'auteur. Pour cela, elle pourrait être son intention d'informer, de rendre hommage, d'analyser, commenter, rétablir la vérité, dénoncer ou autre. Donc, nous avons aussi, l'auteur va utiliser des moyens linguistiques dans son texte d'histoire. Alors, nous allons voir justement ces moyens linguistiques qui pourraient être utilisés dans un texte, dans ce texte, ce type de texte. Alors, on trouvera généralement le présent de la narration, ou bien on appellera aussi le présent d'énonciation. Pourquoi ? Eh bien, pour actualiser, pour rapprocher le lecteur va se sentir, va vivre en quelque sorte l'histoire qui va être racontée par l'auteur. Alors, aussi les temps du récit. Donc, on va trouver l'utilisation de l'imparfait, que vous savez déjà, servent à exprimer, donc l'imparfait pour exprimer des actions qui durent dans le temps, pour être aussi utilisé dans la description ou dans un commentaire. On peut trouver aussi les temps du récit tels que le passé simple ou le passé composé. Si on utilise le passé simple, on n'utilisera pas le passé composé. Mais si on utilise le passé composé, on n'utilisera pas le passé simple, hein, parce qu'ils ont la même valeur. Un temps va être utilisé pour le récit écrit, et le passé composé, généralement, c'est pour l'oral, mais aussi, même à l'écrit, on favorise l'utilisation du passé composé. Donc, justement, l'utilité, c'est pour exprimer des actions brèves et achevées. Nous avons aussi d'autres moyens linguistiques, tels que les articulateurs chronologiques. Les articulateurs chronologiques, ou aussi on a des indices spatio-temporels, c'est-à-dire ils vont indiquer la date ou le lieu. Chronologique, c'est le temps, mais aussi on pourrait trouver des articulateurs qui vont indiquer le temps, le lieu. Nous avons aussi d'autres moyens tels que le discours rapporté lorsqu'il s'agit de témoignages. Pour cela, c'est pour rapporter justement les dires d'une personne ou d'une autorité ou autre. Nous avons aussi la passivation.
L'objectif de la passivation, c'est de mettre en valeur le fait lui-même. Et on finit par les modalisateurs qu'on va voir tout de suite. Alors, justement, pour exprimer sa subjectivité, c'est-à-dire lorsqu'on va donner son point de vue, on va dire ce qu'on pense vraiment de quelque chose, d'un thème, nous allons, l'énonciateur, justement, peut utiliser des modalisateurs. Cela se passe par des mots tels que des verbes, des adverbes, des adjectifs, ou bien aussi des expressions, exemple, à coup sûr, sans aucun doute, mais aussi par des figures de style que vous connaissez, telles que la métaphore ou la comparaison. Aussi, on peut trouver des signes de ponctuation, qu'on va voir après, ou des types de phrases particuliers. Alors, les modalisateurs, on va commencer par des verbes d'opinion. Vous savez, quand on veut donner son avis, on va dire « je pense »,« je crois », »,« j'estime », etc. On peut trouver aussi des adjectifs, tels que « heureux », triste, égoïste, généreux, etc. On peut trouver aussi des adverbes, utiliser des adverbes. Les adverbes ici se terminent par naturellement, se terminent par le suffixement ici. Hein. Mais aussi, il y a des adverbes qu'on pourrait trouver tels que bien, mal, vite, etc. Ce sont des adverbes qui n'ont pas de suffixe, mais ils expriment aussi la manière. Nous avons également des expressions telles que, comme on a dit tout à l'heure, sans doute, par bonheur, peut-être, ce sont des expressions, un groupe de mots. On peut aussi trouver des pronoms tels que, ici, l'auteur va utiliser le « je », il va s'exprimer en utilisant le pronom personnel « je ». Il va dire aussi le « nous » qui équivaut à « vous » et à « moi » ou bien « eux » et « moi », n'est-ce pas ? Le « me », le « moi », etc. Ce sont des pronoms personnels. On va aussi trouver de la ponctuation qui est particulière, telle que le point d'exclamation. On pourrait s'exclamer. Là, c'est un mode de subjectivité pour exprimer sa subjectivité, ou bien le point d'interrogation, etc. On peut aussi trouver des tournures impersonnelles. Exemple, il est certain que, il est possible que, il faut, etc. Donc, on a aussi l'emploi du temps lorsque l'auteur va utiliser le futur ou le conditionnel. Justement, ici, il a l'intention d'exprimer un point de vue ou bien sa position. Vous avez aussi, donc, en termes communs, vous avez l'habitude d'utiliser le vocabulaire mélioratif qui est un jugement positif. Donc là, vous allez exprimer un sentiment positif en utilisant tous les mots qui ont une valeur positive. Mélioratif, vous allez trouver ici que mélioratif veut dire meilleur, d'accord ? Améliorer, donc, c'est généralement veut dire positif. Le melior, normalement, c'est un mot latin qui veut dire valeur positive. Et vous avez aussi le vocabulaire péjoratif, c'est-à-dire un jugement peor ou péjor, qui veut dire pire, en fait, qui veut dire mauvais ou négatif. Là, c'est les types, de toute façon, des modalisateurs que vous allez pouvoir retrouver dans un texte d'histoire. Aussi, pour informer, on peut rester objectif. Donc, finalement, si on est au subjectif, on va utiliser tous ces modalisateurs. Mais si on est objectif, si on doit rester, on doit informer et rester objectif, est-ce qu'on va utiliser ces modalisateurs ? Eh bien, justement, on ne va pas les utiliser, n'est-ce pas? Donc là, l'auteur va rester neutre et objectif. Il est absent de son discours, il est absent dans son texte et il ne va pas utiliser le pronom « je », mais plutôt le pronom indéfini « on ». Et la visée communicative serait seulement informer ou expliquer objectivement. Nous avons maintenant abordé ensemble un texte d'histoire, un sujet d'examen, du projet 1. Je vais vous lire le texte, vous suivez avec moi, et après nous allons voir comment travailler le questionnaire pas à pas. Donc je commence la lecture. 19 juin 1956. Pour la première fois dans cette guerre, la guillotine entre en action. Zabana et Ferage ont la tête coupée.
au nom de la loi française. Ainsi, le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. Djamila Bricky, qui fut au premier jour de juillet 62 ma première amie de la Casbah, livre ses souvenirs sur les nouveaux rites funéraires qui s'instaurent aux portes de la prison Barberousse. Les familles des condamnés à mort allaient tous les matins à Barberousse, car lorsqu'il y avait des exécutions, c'était affiché sur la porte. Nous allions tous les matins pour voir s'il y avait ces fiches blanches sur la porte. Des fois, il y en avait 3, 4. Chaque exécuté avait sa fiche personnelle. Nous n'étions jamais prévenus. Il fallait aller lire les noms sur la porte. C'était la chose la plus horrible. Et l'eau. Quand il y avait plein d'eau devant la porte, c'était parce qu'ils avaient nettoyé le sang à grande eau avec un tuyau. Peu après, un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'aube. Il rendait les affaires personnelles du mort à sa femme ou à sa mère. Les femmes ne pleuraient pas. Les compagnes venues aux nouvelles les entouraient et allaient ensuite jusque chez elles pour la veillée religieuse. Le corps de l'exécuté n'était jamais remis au sien. L'administration pénitentiaire se chargeait seule de l'inhumation au cimetière d'El Alia. On ne donnait que le numéro de la tombe aux femmes qui s'y rendaient le lendemain. Djamila Bricky se souvient encore d'une scène devant Barberousse, un de ses matins d'exécution. Elle-même, ayant son époux Yahya condamné à mort, vivra cette attente et cette tension. Je revois encore une vieille femme lorsqu'on lui a rendu le baluchon de son fils, donc un guillotiné de l'aube. Elle s'est assise par terre devant la porte de la prison et elle sortait le linge de son fils. Elle embrassait sa chemise, son peigne, sa glace, tout ce qui était à lui. Jamais il n'y a eu de pleurs, de cris, de lamentations. Nous partions avec la famille de l'exécuté. À chaque exécution capitale, dès le 20 juin 1956, le mot d'ordre de la résistance urbaine à Alger est de multiplier les attentats contre tout Européen avec la recommandation pour l'or d'épargner les femmes et les enfants. L'auteur de ce texte, c'est Essia Djebar, Le Blanc de l'Algérie, de la maison d'édition Albin Michel, livre de poche, 1995. Donc ici, il s'agit d'un extrait de roman de Essia Djebar, Le Blanc de l'Algérie. Nous passons maintenant aux questions de compréhension. Je lis avec vous. Alors, quand on a un sujet d'examen, on lit le texte, on lit les questions et je vous accompagne dans la lecture. Donc, Djamila Bricky est une historienne, un témoin ou une témoin ou bien une écrivaine. Recopiez la bonne réponse. Justifiez ensuite votre réponse en relevant du texte deux expressions ou mots employés par l'auteur. Deuxième question. Relevez quatre mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de guillotine. Troisième question. Ainsi, le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. Par cette phrase, l'auteur veut dire que la France a libéré Zabana et Ferraj. La France a considéré Zabana et Ferraj comme des rebelles, des hors-la-loi. La France a traité les guillotinés comme de vaillants combattants. Recopiez la bonne réponse. Quatrième question, le calme et le courage des familles des exécutés, l'information des familles après l'exécution, l'enterrement des guillotinés, la riposte de la résistance. Classez les expressions ci-dessus, selon qu'elles renvoient à l'attitude des Français ou à l'attitude des Algériens. On passe maintenant à la cinquième question, on vous demande, dites à qui renvoient les pronoms soulignés dans les phrases suivantes. Petit a, nous n'étions jamais prévenus. Petit b, on ne donnait que le numéro de la tombe. Sixième question, complétez l'énoncé qui suit avec les mots et expressions suivants. Exécuté, veillée religieuse, effet, prisonnier. Ahmed Zabana et Ferraj sont les premiers martyrs à la guillotine. Plusieurs condamnés à mort étaient enterrés et leur famille n'avait droit qu'à leur personnel et à un numéro relatif à leur tombe.
Sans cris et sans pleurs, elle rentrait pour célébrer là. Et vous continuez. Septième question. À travers ce texte, l'auteur veut montrer la souffrance des exécutés à la guillotine, montrer l'indifférence des familles des exécutés à la guillotine ou montrer le courage des familles des exécutés. Recopiez la bonne réponse. Huitième, selon vous, pourquoi la résistance recommandait-elle d'épargner les femmes et les enfants lors des attentats? Répondez, expliquez en deux ou trois phrases. On passe à la dernière partie qui est la production écrite. Elle sera sur 7 points du moment que la première partie de la compréhension du texte est sur 13 points. C'est pour, on se rappelle, c'est pour les classes de lettres et philosophie. Alors on vous demande toujours de traiter un seul sujet au choix. Soit le premier sujet qui est un compte rendu, soit le deuxième sujet qui est une production écrite, une expression écrite. Donc je vous lis le sujet 1. À l'occasion du 18 février, journée du Shahid, votre professeur vous a chargé de rédiger un article pour le publier dans le journal de l'établissement. En 140 mots, ou 150, on pourrait aller jusqu'à 150, parce qu'on a plus ou moins 10, rédigez le compte-rendu objectif de cet extrait de Essia Djebar pour le journal mensuel de votre lycée. Le deuxième sujet, vous faites partie du club d'écriture de votre lycée et à l'occasion du 1er novembre, vous avez décidé de publier un article sur la solidarité entre les familles algériennes pendant la guerre de libération. En 150 mots, rédigez le texte de cet article pour mettre en évidence les valeurs des Algériens. Ça, c'est le sujet de votre examen. Et nous allons maintenant passer aux réponses. Alors, on va prendre question par question, et le texte qui est à droite, et la question serait à gauche, et qu'on va travailler ensemble. Vous suivez. Alors, la première question, Jamila Briki est une historienne, un témoin ou une écrivaine? Alors, là, vous avez le texte. Quelle serait votre réponse? Vous allez me dire, justement, qu'elle est témoin. Comment vous pouvez le savoir? Justement, dans le texte, l'auteur va utiliser l'expression, entre parenthèses, regardez, elle-même, ayant son époux, Yahya, condamné à mort, vivra cette attente et cette tension. Ou bien, donc là, ça montre qu'elle est justement témoin. Elle a son mari, justement, qui était un condamné à mort pour Jamila Briki. Donc, elle était membre d'un prisonnier, donc elle était la femme, et aussi faisait partie de ces familles-là qui allaient attendre la nouvelle à Barberousse. Donc, on vous demande de justifier votre réponse en relevant du texte deux mots ou expressions employées par l'auteur. Vous avez livre ses souvenirs. Qui va donner ses souvenirs, va livrer ses souvenirs? C'est Jamila Briki. Nous avons également, lorsqu'elle dit, l'auteur va dire, Jamila Briki se souvient encore. Donc là, elle rapporte les paroles ou bien les souvenirs de Jamila Briki. Elle va utiliser Jamila Briki, elle va dire, je revois encore une vieille dame. Donc ici, on vous demande juste deux réponses, vous prenez que deux, que ce soit des mots ou expressions, on ne vous a pas dit. Si on vous a dit que des mots, vous allez mettre souvenir, se souvient, etc. Mais puisque là, on vous a dit soit des mots, soit des souvenirs, vous êtes libre de prendre l'expression ou le mot qui vous convient. Alors, on passe à la deuxième question, on vous dit relevez quatre mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de guillotine. Alors, pour la guillotine, regardez dans le premier paragraphe, c'est les premiers exécutés à la guillotine étaient Zabana et Ferrage. Vous savez très bien, dans l'histoire, vous avez appris que Zabana a été exécuté à la guillotine. Qui veut dire quoi? Qui veut dire tête coupée, on leur a coupé la tête. D'accord? Le mot aussi qui revient à cela, c'est des condamnés à mort. Condamnés à mort, ça veut dire qu'ils vont être tués. Ce sont des prisonniers, mais qu'on va tuer. Donc aussi, il y a le mot guillotiné. Le guillotiné de l'aube, c'est-à-dire c'est la personne qu'on va lui couper la tête très tôt le matin. Vous avez un condamné à mort, vous avez aussi l'exécuté, il a été exécuté, il a été tué. Vous avez aussi exécution capitale,
Dans le dernier paragraphe, exécution capitale, ça veut dire une peine capitale ou bien la condamnation à mort. Ça, c'est, on vous demande, ça, c'est la deuxième question pour la guillotine. Et pour cela, vous prenez que quatre mots qui sont les plus pertinents pour vous. On passe maintenant à la troisième question. Ainsi, le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. Par cette phrase, l'auteur veut dire quoi ? Que la France a remis les honneurs à Zabana et Ferrage ? Alors, selon vous, est-ce que la France va remettre les honneurs à Zabana et Ferrage ? Bien sûr que non. Là, Zabana, ils ont été tués, n'est-ce pas ? Regardez la troisième proposition. La France a traité les guillotinés de vaillants combattants. Est-ce qu'elle les a valorisés, justement ? Est-ce qu'elle les a traités de courageux, de vaillants ? Non. Justement, la France a considéré Zabana et Ferrage comme étant des rebelles, des hors-la-loi. Et justement, un rebelle, justement, c'est une personne qui se révolte, c'est une personne qui ne veut pas se soumettre à la loi, qui refuse justement de ne pas, qui refuse la loi française ici. Donc ce sont des résistants, comme on a utilisé dans le texte, à la fin du texte, que ça a utilisé, les résistants, ce sont des rebelles. Donc la réponse est ainsi. Le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. C'est-à-dire, on ne réservera pas le statut de combattant de guerre à ces deux-là. C'est-à-dire, Zabana et Ferrage. Donc, la réponse ici est sur un point. Vous voyez, le point est noté en étoile. On passe maintenant à la question suivante, la quatrième. Le calme et le courage des familles, des exécutés. L'information des familles après l'exécution, l'enterrement des guillotinés, la riposte, la résistance. On vous demande de classer ces expressions ci-dessus, selon qu'elles renvoient à l'attitude des Français et à l'attitude des Algériens. Donc, pour la première information, le calme. Alors, l'information des familles après l'exécution, c'est justement... on la trouve la réponse dans le texte. Regardez. Peu après, un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'Aube. Vous remarquez ici que ça veut dire que la famille des exécutés n'était pas informée avant l'exécution, mais plutôt après l'exécution. Ils exécutaient d'abord les prisonniers et ensuite ils appelaient la famille. D'ailleurs aussi, dans le texte, ils vont utiliser... Et pour, ils allaient tous les matins à Barberousse. Tous les matins, ils allaient à Barberousse pour voir l'affichage sur la porte, si le nom de leurs parents, frère, mari ou fils, était affiché ou non. Nous avons également l'enterrement des guillotinés. Qui enterrait les guillotinés, justement ? C'était les Français. La phrase qui le dit, c'est l'administration pénitentiaire se chargeait seul de l'inhumation au cimetière de l'Alia. Seul, c'est-à-dire ici, que ce ne sont pas les parents, mais plutôt l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire l'administration de la prison. C'est la prison qui se chargeait, qui s'occupait. L'inhumation, ça veut dire l'enterrement. Inhumer veut dire enterrer. Exhumer veut dire déterrer. Donc là, ils vont mettre le corps, désolé de l'expression, mettre le corps sous terre. Donc, c'est l'enterrement. Concernant l'attitude, justement, des Algériens, on a le calme et le courage des familles des exécutés. La phrase qui le justifie, c'est « Jamais il n'y a eu de pleurs, de cris, de lamentations ». Ceci montre, justement, le courage des familles. Il faut vraiment vivre la situation pour avoir ce courage de ne pas pleurer un proche. Et en plus, quand ils ont la tête coupée, c'est horrible. Donc là, ça pourrait être des cris et des hurlements et des pleurs. Mais là, les familles ont été très courageuses et très patientes. Alors, concernant la dernière proposition, va être pour l'attitude des Algériens, qui est la riposte de la résistance. C'est la résistance algérienne qui va justement riposter. C'est la résistance, regardez la couleur en bleu, la résistance urbaine à Alger, et de multiplier les attentats.
c'est-à-dire au lendemain de la première exécution. Regardez dans le premier paragraphe, c'est le 19 juin. Dans le dernier paragraphe, vous avez le 20 juin, c'est-à-dire le lendemain, juste le jour d'après, des exécutions que la France avait commencé à la guillotine à l'application de la peine capitale, la résistance urbaine, la résistance algérienne a commencé à multiplier les attentats, tuer tout Européen. Mais attention, avec la recommandation de ne pas toucher les femmes et les enfants. Nous passons maintenant à la question 5. Nous passons maintenant à la cinquième question. Je lis la question. Dites à qui renvoient les pronoms soulignés dans les phrases suivantes. Nous n'étions jamais prévenus, on ne donnait que le numéro de la tombe. Alors, on revient au texte et on relève la phrase. Nous n'étions jamais prévenus, elle est en rose. Allez, à qui renvoie le « nous » ? Nous allons voir que le « nous » renvoie aux familles des condamnés, n'est-ce pas ? Et les familles, on aurait pu dire « elles » et non pas « nous ». Et là, pourquoi la dit « nous » ? Parce qu'elle aussi fait partie de ces familles de condamnés, c'est-à-dire il y a aussi la témoin Djamila Bouriki. On passe donc à la deuxième phrase. On ne donnait que le numéro de la tombe. Donc ici, la phrase est en gris. Ici, le « on » va renvoyer à qui ? Qui est le « on » ? Le corps de l'exécuté n'était jamais remis au sien. L'administration pénitentiaire se chargeait seule de l'inhumation au cimetière d'Al-Alia. On ne donnait que le numéro de la tombe. Donc le « on » ici renvoie à l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire c'est l'administration de la prison. C'est la prison qui se chargeait d'enterrer, d'inhumer le corps et de remettre aussi le numéro aux familles de l'exécuté. Là, c'est noté sur 2 points pour chaque bonne réponse. Maintenant, on va passer à la sixième question et on va essayer de répondre ensemble. Donc, n'oubliez pas que c'est toujours un accompagnement. Je vous accompagne dans la recherche des réponses. Alors, complétez l'énoncé qui suit avec les mots et expressions suivants. Exécuté, veillée religieuse, effet prisonnier. Ahmed Zabana et Farage sont les premiers martyrs à la guillotine. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre ? Est-ce qu'on peut mettre veillée religieuse ? Non. Est-ce qu'on peut mettre effet à la guillotine ? Non plus. Est-ce qu'on peut mettre prisonnier à la guillotine ? Non plus. Donc, c'est l'expression exécuté parce qu'ils ont été carrément exécuté, c'est-à-dire on leur a coupé la tête. Plusieurs condamnés à mort. Qui va-t-on condamner à mort ? Ce sont les prisonniers. D'accord ? Donc vous avez dans le texte énormément de phrases, d'expressions qui renvoient à la prison, telles que la prison Barberousse. Alors je vous ai mis entre parenthèses, la prison Barberousse maintenant s'appelle Serkaji, qui se trouve, pour ceux qui habitent Alger, ça se trouve à Bebjdid, Serkaji, c'est plus haut que la Casbah, pour ceux qui ne connaissent pas Alger. Donc c'est Alger Centre en fait. Donc Ahmed Zabana et Farage sont les premiers martyrs à la guillotine. Plusieurs prisonniers condamnés à mort étaient enterrés et leurs familles n'avaient droit qu'à leur personnel, donc à leurs effets personnels. Effets personnels, ce sont les affaires personnelles, tels que le baldachin, tels que sa chemise, son peigne, sa glace, tout ce qui était à lui, ce sont ses effets, ce sont ses affaires personnelles. Donc, baldachin, vous allez me dire, madame, qu'est-ce que c'est que baldachin ? Vous pouvez voir dans un dictionnaire ou pas. Donc, ici, baldachin, c'est quand on va mettre toutes les affaires d'une personne dans un tissu et on va fermer, ça va faire un baldachin. N'est-ce pas ? On va mettre toutes les affaires d'une personne dans un sac ou dans un tissu qu'on va fermer. J'en passe à la dernière partie. Donc, sans cri et sans pleurs, elle rentrait pour célébrer la veillée religieuse. La veillée religieuse, vous voyez que c'est marqué en bleu. Vous savez que dans notre culture algérienne ou arabe,
nous avons justement, quand la personne meurt, nous allons avoir une veillée religieuse, on va mettre le Coran, etc., pendant la soirée, pour marquer la mort de notre proche, ou pour le purifier, ou je ne sais pas. Donc la réponse ici est sur deux points. On passe maintenant à la septième question. À travers ce texte, l'auteur veut quoi ? Alors, c'est la visée communicative. Est-ce qu'elle veut montrer la souffrance des exécutés ? Est-ce qu'on parle ici des exécutés qui souffrent, qui crient, qui demandent pitié, qui implorent ? Pas du tout, n'est-ce pas ? Donc, cette réponse n'est pas acceptée. Est-ce que aussi c'est pour montrer l'indifférence des familles des exécutés ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont indifférents à ce qui se passe à leurs prisonniers, à leurs familles, aux maris, aux frères, aux fils ? Pas du tout. Donc cette réponse n'est pas acceptée, mais plutôt c'est pour montrer justement le courage des familles des exécutés. On le voit ici avec des expressions qui sont en vert. Vous avez nouveau rite funéraire, donc tous les matins, il y a une répétition, nous allions tous les matins, il y a une répétition, ici vraiment il faut être courageux pour aller tous les matins à la prison pour voir, pour lire sur les portes les noms des personnes exécutées, ils attendent toujours s'ils vont trouver le nom de leurs proches. Ils disent aussi c'était la chose la plus horrible, c'était vraiment très dur de vivre ces moments-là, n'est-ce pas ? Elle dit aussi, les femmes ne pleuraient pas. D'accord ? Vous avez aussi, il n'y a eu jamais de pleurs ou de cris de lamentation. Regardez ce courage que ces femmes-là avaient, n'est-ce pas ? Quand elles recevaient ou quand elles allaient pour avoir les informations sur leurs proches. Donc aussi ici, l'auteur va utiliser l'expression « jamais ». J'aimerais bien rebondir sur cela. « Jamais prévenu ». Regardez cette expression aux jeunes. « Jamais prévenu ».« Jamais remis aux siens ». ».« Jamais il n'y a eu de pleurs ». C'est quelque chose qui, pour eux, c'était impossible, justement, pour que ces familles montrent leur détresse ou leur malheur ou leur tristesse. Pour elles, c'est toujours un courage, c'est toujours un honneur, parce que c'était des sacrifiés, c'était des enfants sacrifiés pour le pays. La réponse est sur un point et demi. Bien sûr, là, il faut mettre juste la réponse. Hein, ce que j'ai expliqué, c'est un plus pour vous accompagner dans la compréhension. Donc, on passe maintenant à la huitième question. Selon vous, pourquoi la résistance algérienne recommandait-elle d'épargner les femmes et les enfants lors des attentats ? On vous demande d'expliquer ceci en deux ou trois phrases. Là, vous êtes libre. C'est une production libre. Vous êtes limité, par contre, à juste une petite production. Ne faites pas un grand texte avec 10 phrases. Ce n'est pas demandé. Il faut respecter la consigne. Donc là, vous pouvez dire que la résistance, c'est juste une proposition, hein. La résistance ne voulait pas cibler les femmes et les enfants qui sont ni coupables ni armés. Ils sont désarmés. N'est-ce pas ? Elle voulait, la résistance voulait des attaques d'hommes dignes et non de lâches. Parce que quelqu'un qui va tuer un homme, une femme ou un enfant, c'est plutôt un geste de lâche, n'est-ce pas ? Donc l'expression, le paragraphe qu'il montre, c'est le dernier paragraphe de notre texte. À chaque exécution capitale, le mot d'ordre était la recommandation d'épargner les femmes et les enfants. La réponse sera sur deux points. Et je vous dis merci pour votre attention et j'espère que ceci vous a servi, vous a accompagné dans l'étude de ce sujet. Et je vous dis à très bientôt et bon courage.